This baby, you are leaving now. Thank you.
Legislation to protect the rights of transgender Canadians. Justice Minister Jody Wilson-Raybould. What passed this legislation would update the Canada Human Rights Act to protect persons from being discriminated against because of their gender identity or their gender expression. We also intend to update the criminal code so that those who are targeted
I
C'est la dernière, le sang, c'est le sang, c'est le sang.
376 compatriotes indiens à qui est venu miroiter l'espoir d'une meilleure vie au Canada. Mais le réel but du voyage, pour le dire, c'était de défier une loi qui venait d'être adoptée 6 ans plus tôt en 1908 par le Canada, une loi qui interdisait l'entrée au Canada d'un bateau qui aurait une escale. On n'acceptait que les trajets directs. Et ça, dans les faits, c'est un moyen détourné d'interdire l'entrée des Indiens au Canada, parce qu'à l'époque, il est presque impossible de venir peindre au Canada par une route directe. Alors ça, ça va interdire l'accès au Canada par les Indiens qui avaient tout à fait le droit de venir au Canada, puisqu'ils étaient des sujets britanniques et des membres du Commonwealth. Mais cet homme d'affaires indien, au Tintin Sirani, il savait déjà qu'il aurait peut-être à faire face à un refus d'entrée au Canada. Oui, mais un an plus tôt, en 1913, 38 Indiens du Punjab à bord d'un autre bateau, le Paranama, qui avaient fait escale au Japon, ils avaient réussi, eux, à entrer au Canada. Ils avaient réussi parce qu'un juge canadien, était sans doute invalide, parce qu'elle allait en contre la loi sur l'immigration. Alors, Gurdjieff Singh Sirani avait donc bon espoir d'entrer au Canada,
savait qu'il devrait négocier un peu les chances que ça fonctionnerait. Mais entre 1913 et 1914, le gouvernement canadien a amendé la loi qui est ensuite remise en vigueur et en plus l'humeur se durcit là contre les immigrants asiatiques. On écoute là-dessus Anne Cassinotti, chercheur en relations internationales. Entre-temps, les gens avaient tellement peur de cette invasion hindoue de ce terrible brun. Je pense que je ne pas laisser passer pour ne pas avoir à faire face à une nouvelle tentative de contournement de cette chose que vous voyez. Et le contexte immédiat de l'époque, c'est celui qui a Vancouver, la Fondation récente du Parti du Gadar, un parti révolutionnaire qui n'hésite pas à faire appel à la violence pour obtenir l'égalité de traitement des Indiens au Canada. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte-là que les autorités n'ont pas pu accepter le commun Gadar. Ils avaient peur d'apporter en quelque sorte de solution du Gadar et d'encourager ce mouvement délicieux à la fois au Canada et aussi dans le reste du Commonwealth. Alors, on le refuse de descendre du bateau, on refuse de les mourir même pendant que le bateau est en rade, et c'est la communauté américaine de Vancouver qui va mourir et qui récolte un montant énorme pour l'époque de 25 000 $ pour financer leur retour. Et deux mois plus tard, le bateau est escorté par la marine canadienne et retourne d'abord au Japon, où les passagers rencontrent des membres du mouvement situé Gadar, dont on vient de parler, qui recrutent les passagers et les armes. Le bateau se rend ensuite à Calcutta en Inde, bien sûr, l'armée britannique est présente, l'histoire les attend, et 20 000 d'entre eux sont tués. Quel est l'impact de cet incident? Ça a incarné quelque chose, l'impact de cet incident du gouvernement. Ça a vraiment galvanisé la diaspora indienne, ce qui est vraiment un point tournant pour elle. On écoute à nouveau Anne Cassinotti aussi. Il y a des conséquences importantes à l'échelle au niveau de la diaspora indo-canadienne, puisque l'hostilité anti-asiatique auquel les Indiens ont fait face au Canada vient de se établir un sympa comme de fait. Entre les migrants assez diversifiés, certains venaient du Panjab, d'autres du Bengale, du Gujarat. Elle a aussi favorisé une tradition de militantisme chez les Indo-Canadiens. Et les déterminants individuels, ça, c'était faire. Ça fait sorte que le Kobagatamaru a donné naissance à une identité pan-asiatique. Dominique, en terminant, on sait que Stephen Harper a déjà présenté des excuses à la communauté indienne de Vancouver. C'était en 2010. Mais seront-elles différentes? Mathilde, de l'ancien premier ministre conservateur, a été de façon informelle, de façon inattentive, lorsque ses relations se sont construites, pas tout à fait comme il s'attendait. Il a donné 180 millions de dollars pour même à la société Pensatoire de Vancouver pour un musée sur le commerce en amont. Mais ça, c'est sans consulter la communauté. Tandis que les excuses de Justin Trudeau demain seront officielles à la Chambre des communes pour un nouveau allocatif. De nombreux États présentent leurs excuses envers les minorités, envers d'autres pays, etc. Donc, on essaie de regretter. Mais disons qu'au Canada, le gouvernement a commencé à présenter des excuses envers les Chinois, les Japonais, les Amérindiens. Maintenant qu'on a commencé, il est difficile de s'arrêter sans le faire de façon inégalitaire. Et il est légitime de la part des amis canadiens de se dire « Nous aussi, on veut des excuses au même titre que d'autres personnes qui ont subi les mêmes années. » Il y a 22 décembre de Paris, de la Mme Marie, qui font le voyage de Vancouver à Ottawa pour entendre les excuses de Justin Trudeau demain à 15h15 de l'Est. Concernant la chambre de notre histoire. Oui. Merci beaucoup, Dominique. Je vous en prie. C'est Dominique Armandi qui nous parlait de Vancouver. Aujourd'hui, c'est le marché. L'indice TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 24 points, 2/10% à 13 917 points. C'est grâce à des gains vraiment dans les secteurs des ressources et des matériaux. La compagnie Louis Vuitton a annoncé son intention d'ouvrir jusqu'à 20 magasins aux Pays-Bas. Ce sera la première fois que les magasins de Louis Vuitton seront ouverts à l'extérieur du pays, puisqu'il y aura effectivement des magasins de la Louis Vuitton et des magasins de la bannière Saks Fifth Avenue. Ce projet d'expansion pourrait créer jusqu'à 25 000 emplois pendant la phase de construction, pendant la phase d'exploitation des magasins. Le titre de HBC a gagné 1/10% à Toronto à $14.61. À Wall Street, tout autre portrait aujourd'hui, le Dow Jones a reculé de 181 points, 1%, le S&P 500 6% et le Nasdaq, un recul de 60 points,
1,25%. C'est qu'on a annoncé que l'indice des prix à la consommation aux États-Unis avait augmenté de 0,4% en avril. Ça, c'est sa plus forte hausse depuis février 2013. Sur un an, le taux d'inflation était de 1,1%, une hausse de 0,9% par rapport à 0,9% en mars. Donc, vous voyez quand même une hausse assez forte. Ce qui amène certains à y voir un facteur pouvant inciter la réserve fédérale américaine à hausser son taux directeur et à court terme d'argent, ce qui rendrait combien les opérateurs de marché, là, les investissements à la bourse, moins, plus onéreux, là, à moins bon marché. Pétrole brut léger américain a augmenté de 57 à $48.31, c'est un sommet en 7 mois. Le Brent a progressé de 36 cents à $49.33 le baril. Quant au Western Canadian Select, il a terminé la journée à $36.61. L'or a augmenté de $2.70 à $1,276.97 de l'once. Le dollar canadien a perdu 4 centièmes à 77 cents et 50 centièmes américains et par rapport à l'euro, il a chuté à 68 cents et 42 centièmes. Les cours des aliments sur les tablettes des épiceries maintenant, avec une grande question, la baisse des prix chez IGA, annoncée plus récemment, pour les consommateurs. Rappelez-vous, c'était en avril dernier, la chaîne annonçait une baisse de prix massive sur 8500 produits. Et l'émission d'épicerie a passé au prix avec des prix de près de 800 produits visés par cette baisse chez IGA pour les comparer à ceux qu'on retrouve dans les autres chaînes. Voici donc ce que le collègue de dernier de l'épicerie a obtenu comme résultat. Coût de marketing ou réelle baisse de prix? En avril, l'épicerie a relevé un courant de 769 produits alimentaires visés par la baisse chez IGA pour comparer à des produits identiques chez ses concurrents. 25% des produits échantillonnés sont moins chers chez IGA lorsqu'on les compare à Maxi. Avant la baisse, c'était seulement 3%. Les prix par rapport à la chaîne Supercé sont encore plus bas. On constate maintenant que 48% des produits échantillonnés chez IGA sont désormais moins chers. C'était à peine 2% avant la baisse. Face au géant américain Walmart, IGA a fini par offrir les prix plus bas, pour 1% de ses produits. IGA se positionne beaucoup mieux par rapport à Provigo, puisque 83% des produits échantillonnés y sont désormais moins chers. Avant la baisse, c'était environ un tiers. IGA est passé de 21 à 71%. Mais attention, cela ne veut pas dire que le panier moins cher est chez IGA. Pour le savoir, et beaucoup d'autres articles ne sont pas touchés par la baisse. Jean-Daniel Brisson est spécialiste des questions agroalimentaires. Super, avec un analyse, ça ne devrait pas durer dans le temps. Je crois qu'à long terme, il faudra rentabiliser tout ça. Et c'est transparent qui va devoir se composer avec des prix. C'est à la hausse, probablement. Selon cet expert, les consommateurs disposeront encore de quelques mois de défis avant de voir le prix grimper à nouveau. Un reportage de notre collègue Denis Garnier de l'émission L'Équipe. Pour plusieurs personnes, toute cette question d'identité de genre, c'est nouveau, c'est neuf. Un peu comme au milieu des années 80, parler d'homosexualité sur la place publique, c'était là. On se disait, mais non, les gens vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Extrait de l'intervention de la députée de Québec solidaire, Manon Massé, à l'Assemblée nationale du Québec cet après-midi à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Force est de constater effectivement que cette année, un accent particulier est mis sur la protection des droits des personnes transgenres avec le projet de loi présenté ce matin à Ottawa, le projet de Mme Massé a même récemment proposé sur les droits des enfants transgenres. Et ça ne s'échoue pas de nulle part, tout ça. Cette journée-ci, bien des gens l'attendaient depuis longtemps, depuis très longtemps. Au début de l'émission, vous avez entendu le témoignage de la jeune Charlie Wolfian-Ricker, 10 ans. Je voudrais maintenant vous faire entendre celui de Marie-Marcelle Godbout, une pionnière, pourrait-on dire, dans la défense des droits des personnes transsexuelles et transgenres. En 1980, imaginez, là, ça fait 36 ans, elle fondait une association de défense des personnes transsexuelles au Québec. Elle-même eu une opération de changement de sexe à Toronto. Oui, vous avez dit. Bonsoir, Mme Godbout. Bonsoir. Ça fait quelques années maintenant qu'on parle ouvertement de la réalité des personnes trans, si bien j'imagine que certaines personnes pourraient croire que c'est une réalité plutôt récente, que c'est tout le contraire, en fait. Tout le monde est monde que la transsexualité existe.
Je travaille pour que je fasse une autre main. Je serai une activité dans la vie.
c'est de venir donner des conférences, c'est de rencontrer les universitaires pour leur expliquer les différences qui en viennent. Et puis, ça fait des points, là, examen, ou en mode personne à haut d'une vie, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, tu imagines ce que ça peut faire, comme j'ai eu mon vin qui sont toujours en ce qui est là, mais j'ai pas de confiance. Parce que je pensais jamais de voir ce que je vois ces enfants de mon vivant. Alors, j'espère que j'ai eu assez longtemps pour pouvoir étudier. Madame Gautou, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler. C'est un énorme plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame Gautou. D'accord. Vous réécoutez nos entrevues ici radio-canada.ca /bas-du-monde. Nous vous présentons ce soir un autre reportage que notre correspondant Hugo Lavallée nous a préparé à l'occasion de sa tournée récente en Gaspésie. Il nous parle de ça dans un livre qui est nouveau, mais touche l'un des groupes de plus en plus importants. Pour la stagnation de leur budget, les organismes communautaires sont forcés de faire des choix déchirants, comme par exemple de suspendre les services qu'ils offrent à la population. Alors ce soir, Hugo nous parle de la fermeture appréhendée d'un centre qui vient en aide à des gens qui souffrent de dépendance et de problèmes de santé mentale en Gaspésie. Et des inquiétudes qui arrivent, c'est ça. Marie Boulay venait d'avoir 47 ans. Elle s'installait, le temps était chaud. Il se souvient être allé acheter de l'alcool plusieurs fois cette journée. Je crois que c'est comme 4-5 grosses bouteilles de bière, 8% d'alcool, 8.5. Il a commencé à boire le volant avant de garer son véhicule sur un chemin de la ville désaffecté. Puis, le trou noir. Ses esprits, quelques heures plus tard, un fusil de chasse était à la portée de sa main. Ce que je me souviens, c'est que je m'en allais dans mon auto. Avec la photo de mes enfants. Alors, j'en ai posé. Ah, non, on va dire que j'aurais pu l'utiliser pour moi, mais ça va être la fin. Je pourrais comprendre comment c'est en arrive. Est-ce que c'est vraiment un gros problème, Mario? Cette aide, c'est au centre Académie que Marie-Claire a trouvé. Établi depuis 28 ans à Pointe-à-la-Croix et des Chaleurs, le centre peut héberger jusqu'à 7 résidents à la fois, explique sa directrice générale, Émilie Bouchard. Récemment, on a perdu un nombre important des hommes à l'intérieur. Ce sont des gens souvent, on est pas un problème de consommation de santé mentale. Les itinérants, c'est en même temps ça. On est plus aussi pour manger aussi. C'est ça comme une espèce comme un fantôme qui vit à Montréal. Chaque matin, les résidents se réunissent pour une discussion de groupe obligatoire. Chaque résident fait aussi l'objet d'un suivi individuel avec une intervenante et doit contribuer au bon fonctionnement de la maison. Ça fait que je prends le plaisir. Jouer les investissements. Même lorsqu'ils quittent le centre, les résidents continuent d'être suivis et peuvent même participer à certaines activités. Après IFA, ils veulent prévenir les rechutes. Le deux fois, c'est un centre à gagner en prévention. Juste pour. Donc voilà, on est déjà fait de faire ce que je suis. Encore un coup. Moi, je suis chez moi, je suis certain, 100% avec. Mais voilà, de budget, le centre académique devra fermer ses portes pendant 3 à 4 mois l'été prochain. Une nouvelle réalité pour les habitués du centre. Marie Boulay et la directrice Dominique Bouchard s'inquiètent déjà. Ça me dirait ça. L'académie, on a le soin en région. C'est un service essentiel, pour moi en tout cas. Je risque d'entendre parler de gens qui se sont suicidés parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Même des incarcérations. Des gens qui vont aller jusqu'à faire des vols pour se faire incarcérer, ils vont au moins manger 3 repas par jour. Partout dans la région, de nombreux organismes sont aux prises avec le même problème, parfois de façon récurrente. À la source alimentaire Bonne-Avignon, on ne ferme pas complètement les portes, mais on est obligé chaque année de réduire les services pendant une dizaine de semaines. Et où je mets ça? Faute de moyens suffisants, les ateliers de cuisine collective auxquels on recourt plus d'une centaine de personnes pour s'alimenter sont suspendus. Les conditions de rechange sont souvent inexistantes et inaccessibles, explique la responsable de l'activité, Marie-Lise Lavuteur. Ici, c'est difficile de juste prendre un peu plus parce qu'ils sont à certaines heures, donc certains côtés. La péninsule fait tout le tour, alors on ne peut pas aller à travers, on ne peut pas prendre le bateau. C'est très long de faire juste ça.
Pour mesurer les effets de cette stagnation des budgets, Geneviève Giguère du regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine a mené sa propre enquête. L'an dernier, 84% de ses membres ont dû réduire les services qu'ils offrent, faute de moyens financiers. Pour 100 d'entre eux, ont carrément dû fermer leurs portes temporairement. Nous, on essaie de trouver les meubles. Puis dans le contexte actuel où les services publics en santé et services sociaux sont attaqués, la pression sur les groupes devient de plus en plus énorme. Donc là, si on associe ça à la difficulté de boucler un budget année après année, là, la pression devient vraiment intense. Dans une région comme la Gaspésie et les îles, diversifier les sources de financement pour une entreprise privée, par exemple, c'est très difficile. C'est pas comme si on se retrouve en Montérégie ou en Montréal. Donc, c'est ça ce qui fait en sorte que les groupes communautaires n'arrivent pas aux besoins exprimés par les communautés avec les moyens financiers dont ils disposent. Il y a là tout le paradoxe. Alors que les groupes communautaires peinent à boucler leur budget, sont de plus en plus sollicités par des gens de plus en plus mal en point. Crise générale du centre de la famille, Dominique Bouchard. On voit aussi chez les gens qui arrivent dans l'hébergement et ont de la misère à payer la facture qu'on leur charge. Les gens ont faim, les gens sont démunis. Puis, quand on ne veut plus de solution, on revient avec des problèmes de santé mentale. Souvent, on devient plus dépressif, on peut perdre des dépendances. Alors là, c'est une boucle. Confrontée à la fermeture du centre Académie, Marie-Louise se prépare à poursuivre la bataille par lui-même. C'est pas d'amis d'avance. Vous allez tout aller voir les gardes, c'est comme sur la limite d'indépendance. Bon, c'est la guerre professionnellement, on va tout le temps être prêt à l'affronter parce que ça ne parle pas grand-chose à détruire. Un reportage de notre correspondant Hugo Lavallée, en Gaspésie. On va aller faire un tour sur la côte nord du Québec parce que le gouvernement canadien prend des mesures supplémentaires pour protéger 5 espèces aquatiques en péril, dont le pingouin du Saint-Laurent. Les scientifiques et les groupes environnementalistes se disent satisfaits. J'ai en parlé avec notre journaliste Marlène Joseph-Blais, que je joins avec le bureau de Décomo. Marlène, cette désignation, elle était attendue depuis longtemps par les scientifiques. Effectivement, parce que la zone était déjà ciblée depuis quelques années. C'est l'endroit où les femelles mettent bas et élèvent leurs petits. Et pour vous situer, le périmètre s'étend de Saint-Fabien dans le Bas-Saint-Laurent jusqu'à Saint-Jean-de-Port-Jolie, à une centaine de kilomètres à l'est du Québec. Et on inclut aussi l'embouchure de la rivière Saguenay. Donc ça, c'est le secteur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent dans Pointe-à-Noussac. Puisque cet arrêté ministériel signifie, c'est que tous les projets prévus dans cette zone devront être évalués un à un. Et Ottawa pourra émettre des restrictions aux travaux de construction s'ils sont susceptibles de détruire l'habitat essentiel du Béluga. Et quand on parle d'habitat essentiel, pour bien comprendre ce que c'est, voici le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud. Ce qu'on appelle l'habitat essentiel, c'est ce que les scientifiques ont convenu, composantes sans lesquelles la population des Béluga ne pourrait pas se rétablir. Alors, c'est une délimitation géographique du maire qui est utilisée et les nouveaux lits pendant l'été. Et ce qu'on veut protéger dans cet endroit-là, c'est autant la disponibilité de la nourriture, des poissons, des flancs, la qualité de son environnement sonore, la qualité de son environnement acoustique. C'est une mesure de protection supplémentaire, Marlène, mais ça ne bloquera pas complètement les projets qui pourraient être développés dans Saint-Laurent. Voilà, par contre, ce sera beaucoup plus difficile pour les promoteurs qui visent ce secteur de faire approuver leur projet. Le gouvernement évaluera toutes les mesures potentielles, comme le son ou la distribution de la nourriture, par exemple. Et avec cette annonce, on pense rapidement au projet de Trans-Canada qui voulait construire un port pétrolier à Kakuna, dans la zone qui est maintenant protégée. Alors, dans ce contexte, les scientifiques à qui nous avons parlé croient que l'entreprise a probablement eu bien du mal à faire son projet en fonction de ces mesures. Les projets en ont d'autres et rien n'indique qu'il n'y aura plus de construction dans cette partie du Saint-Laurent. À nouveau, je vous laisse entendre la même chose du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Parce qu'un port soumis au cours des prochaines années à de nouvelles pressions, il y a des projets de construction de ports, par exemple, dans le Haut-Saguenay, autant sur sa rive ouest que sa rive est. Il y a des projets d'extension à Kakuna. Tout ça, c'est des projets qui sont susceptibles d'avoir l'activité humaine dans les limites de l'habitat essentiel.
Est-ce que cette désignation-là va nous aider l'ensemble de ces projets-là, parce qu'ils auront tous un impact sur, entre autres, la qualité de l'environnement acoustique des VUA. On le souhaite bien. C'est un nouvel outil, c'est un bel outil légal qui devra faire des preuves. Alors, je mentionnais un peu plus tôt, on se dit satisfait, on y voit un pas vers l'avant, mais les groupes environnementaux aimeraient que le gouvernement ne s'arrête pas là, qu'il continue dans cette direction. Oui, c'est ça. C'est le cas de la Société pour la nature et les parcs du Canada, ce qu'on appelle la SNAP. D'abord, le groupe aimerait que les gouvernements du Québec et du Canada mettent en place un réseau d'aires marines protégées dans l'estuaire du Saint-Laurent. On en parle depuis un moment déjà, mais il n'y a rien de concret qui a été fait de ce côté-là. Et en ce qui concerne la réglementation déjà en place pour protéger le beluga, elle comprend des failles selon le directeur général de la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada, Alain Branchot. L'ancien gouvernement avait changé des petits paragraphes de la loi sur les espèces en péril, entre autres, pour faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de donner une autorisation lorsqu'il y a un certificat émis en vertu de la loi sur l'Office nationale de l'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste peut-être à modifier, puis on invite le gouvernement à poursuivre son ménage du printemps et de développer tout ça. Allez, François, il faut préciser que la protection de l'habitat essentiel du BUB, c'est déjà une mesure très intéressante, c'est une désignation attendue, donc il est satisfait. Par contre, il faudra attendre quelques années pour bien mesurer ses effets. Et en ce qui concerne les bébés du Saint-Laurent, je vous rappelle qu'il en reste environ 900 en ce moment et les chercheurs estiment que la population pourrait encore décroître. Merci beaucoup, Marlène. Au revoir. Notre journaliste Marlène Joseph-Lay nous parlait des comment. De rendre à l'autre bout complètement du pays, on s'en va au Yukon. Dans ce territoire du nord-ouest du pays, le conseil de bande d'aînés de Ross River demandait au gouvernement territorial pour régler un problème de chiens errants dans la communauté. Un problème assez grave. En octobre dernier, un jeune homme a été tué par un chien couleur. L'histoire de l'art dont je vais parler avec mon ami François Samuel Paul, ce que j'aime chanson. Donc, parlons des circonstances de cet incident. Tout tragique, vous l'avez mentionné en octobre dernier, le 17 chien du Canada, qui avait 22 ans. Il a été attaqué par des chiens. Tout village a tenté de se sauver de ces chiens-là en descendant dans un ravin, mais a été trouvé mort dans la nuit. On parle de 3 à 4 chiens et c'est vraiment à quelques mètres seulement des maisons que ce serait déroulée cette tragédie. La coroner a rendu public son rapport la semaine dernière seulement dans une réunion publique avec une centaine de résidents du village. On parle d'un village d'environ 350 habitants, Rosperville, situé dans l'Est du Yukon, une communauté surtout autochtone. C'est un problème qui dure depuis de nombreuses années et là, on vient confirmer justement que ce problème-là a atteint problème sans précédent, une gravité sans précédent. Il y en a beaucoup de ces chiens, hein? Oui, ils sont nombreux et c'est ça, ça fait des années. Il y avait même un rapport qui avait été rédigé en 2010 pour venir régler ce problème, trouver des solutions, des pistes de solutions. Il n'y a pas d'agent qui s'occupe d'une civière, par exemple, dans le petit village. C'est souvent la responsabilité donc des policiers. Il y a même un policier, ça a été rapporté par un président, qui a dû tuer un chien dans la rue, qui l'attaquait trop agressif. Ce sont des chiens qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont redevenus donc sauvages, qui ont perdu l'aspect domestiqué et qui ont faim, qui sont affamés et qui cherchent bon, ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit d'autres chiens ou là, dans ce cas-ci, un humain. Et c'est un village où est-ce qu'il n'est pas incorporé, donc il n'y a pas de conseil municipal et il n'y a pas donc de réglementation entourant les animaux. C'est géré par le conseil de bande et c'est donc la raison pour laquelle le chef Jack Caesar dit que le gouvernement va avoir besoin de l'aide du gouvernement pour régler ce problème. On ne sait pas exactement, la semaine dernière après la réunion avec la coroner, il y a un comité de travail qui est formé pour essayer de trouver justement ces pistes de solution. Dans le rapport en 2010, on parlait d'une solution qui comprenait une réglementation de l'éducation des services vétérinaires, aussi chose qui n'existe pas dans le village, et une application des règlements, donc des agents pour s'occuper des chiens
hein? Donc, il y a une autre problématique avec la légalité de tout ça, c'est qu'il y a deux lois qui sont en contradiction l'une et l'autre. La loi sur les chiens du vivant qui permet de détruire les chiens dangereux, mais la loi aussi sur la protection des animaux qui fait très silence sur la loi sur les chiens et qui demande à ce qu'on confie, par exemple, un chien à la jambe ou une fourrière avant de le détruire. Donc, il y a beaucoup dans ce dossier-là. Avoir des devoirs pour pouvoir trouver une piste de solution à long terme. Et d'ici à ce qu'on en arrive à ça, j'imagine, donc, il y a un certain climat d'insécurité dans la communauté. Tout à fait, tout à fait. Les résidents ont peur, ils disent avoir peur, et depuis longtemps, on évite de se promener seul le soir, surtout, et on souhaite vivement qu'on puisse trouver une solution à ce problème-là. Ça a été soulevé aussi à l'Assemblée législative la semaine dernière par une position officielle, à savoir peut-être réviser la loi. Mais le gouvernement dit que c'est la responsabilité de la première nation, donc il faut comprendre comment une unité de travail a fait trouver des pistes de solutions. Merci beaucoup, Claudiane. Claudiane de Sanson, notre journaliste à Whitehorse. Oui. Vous écoutez l'heure du monde, ici Radio-Canada, première. Et puis, le cinéaste québécois Xavier Dolan est allé au festival de Cannes, son plus récent film, juste la fin du monde en compétition officielle. Le long métrage qui met notamment en vedette Marion Cotillard et Vincent Cassel sera présenté jeudi. Donc, 27 ans, il est déjà habitué du festival. Il dit avoir hâte de partager son film avec le public et ne pas ressentir de pression. Est-ce que je suis nerveux avant le tournage? Je suis nerveux avant le moment de la post-production. Est-ce que je ressens de la pression? Est-ce que la pression est forte? Est-ce que... Mais moi, je le vois comme une. Oui, il y a des enjeux, il y a des. Mais moi, je fais le métier que j'aime. Avec les gens que j'aime. Tout ça, c'est des choses qui sont faites en famille, qui sont faites dans un cercle, à l'intérieur d'un cercle d'amis qui est très fort, qui est très serré. Puis après, les rencontres avec Marion, avec Léa, avec Gaspard, c'est tellement fort, humainement, c'est tellement agréable. Je m'en fous de du fait qu'ils soient connus ou que oh, la pression de calme, la pression de. C'est un endroit qui est dur, c'est un endroit qui est sévère. Les gens sont souvent peuvent être vils. Je sens quand même pas de pression, non, parce que je suis fier, parce que j'ai hâte de le partager. Xavier Dolan, rencontré aujourd'hui par notre correspondant Jean-François Bélanger à Cannes. C'est la deuxième fois que j'ai de Xavier Dolan est en compétition officielle au Festival de Cannes. En 2014, le cinéaste avait remporté le prix du jury pour Mommy. C'est ainsi que se termine notre du monde. Ici Jean-Sébastien Bernatier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Je vous invite à rester des nôtres pour l'ultime heure dans un instant. Aujourd'hui, la brigadière générale Lise Bourbon, qui occupe un poste de haut commandement dans l'armée canadienne en Irak, et aussi une visite des sorties. Catherine Perrin, aujourd'hui 9h, avec une 10h. Votre région, vos histoires, vos nouvelles. Ici Radio-Canada, première, au 106,3 à Québec. Bonsoir, ici Daniel Blanchet-Pelletier. L'appui cléquiste du collégien appuie Alexandre Pelletier dans la course à la direction législative. Selon elle, le travail d'Alexandre Pelletier s'inscrit dans la lignée de ce qui avait été accompli par les cléquistes qui ont formé pour la première fois un gouvernement en 1976. Sébastien Bovet. Nicole Léger devient la 9e députée appuyée Alexandre Pelletier dans la course à la succession de Pierre Campelato. Elle était jusqu'à tout récemment présidente du caucus du Parti québécois, un poste important qu'elle a décidé d'abandonner pour prendre position dans la course. À cette étape de la course, qui est celle de la démonstration de force, Alexandre Pelletier compte 9 appuis de députés et en est souvent à 5, et Jean-François Lisée, aucun. Nicole Léger estime qu'Alexandre Pelletier représente un pont entre les générations au Parti québécois, tandis que l'aspirant chef a vanté l'expérience de la députée en Lisée. Le temps est maintenant venu pour la jubilation et la pression de porter le flambeau vers l'intimisme du Parti québécois et de sa destinée à cette belle relève talentueuse, complète et capable. Une femme d'expérience qui a occupé à peu près toutes les fonctions au sein de notre formation politique.
j'avais envie de dire un enfant du Parti québécois qui a grandi à travers nos débats. Martin Bonnet cherchait toujours à la possibilité de se sentir dans la course. Elle nous a dit qu'elle annoncerait sa décision dans 10 jours, le 27 mai. Cette décision est prise, mais la terme qu'elle n'est pas pressée d'annoncer le fruit de sa réflexion. Tout le monde pense qu'elle se lance. Le choix du chef du Parti québécois sera fait en octobre. Le parti étudie deux dates, le 7 ou le 14. La date est favorable au moment où on se parle et le 7 octobre. Ici Sébastien Vera du Canada, Québec. Le gouvernement fédéral prend des mesures supplémentaires pour protéger 5 espèces aquatiques en péril, dont le beluga, le bestiaire du Saint-Laurent. Les scientifiques et les groupes environnementalistes s'en réjouissent, mais ils ont quand même quelques réserves. Le reportage de Marianne Joseph-Poulet. Le beluga s'étend de Saint-Fabien dans le Bas-Saint-Laurent jusqu'à Saint-Jean-Courjoli et comprend aussi l'embouchure de la rivière Saguenay. Ottawa évalue un à un le projet qui pourrait détruire son habitat essentiel. C'est un élément illégal qui devra faire ses preuves. Le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, se réjouit de cette précision. Il dit pas qu'elle n'empêchera pas la construction d'infrastructures dans la première ville. Ce secteur-là sera soumis au cours des prochaines années à de nouvelles pressions. Il y a des projets de construction de départ, par exemple, dans le Haut-Saguenay, au plan Saguenay. Où est-ce que ça arrive? Est-ce que les projets d'extension à Kakuna? Alain Branchaud de la Société pour la nature et les parcs du Canada ne s'en va pas trop vite. Par contre, il y a quand même certaines failles qui demeurent. Le gouvernement peut toujours autoriser certains projets par décret. L'ancien gouvernement avait changé les différentes cartes de loi sur les espèces en pleine trompe. C'est nécessaire de donner une autorisation lorsqu'il y a. C'est une désignation très attendue, mais dont on pourra mesurer les effets dans quelques années seulement. Pendant ce temps, les chercheurs estiment que la population de beluga du Saint-Laurent, évaluée à 900 individus, continue de décroître. Ici, Marlène Joseph-Blais, du Canada, et Gomouk. L'Ontario s'apprête à resserrer ses règles en matière de financement politique. Le gouvernement libéral veut interdire aux entreprises et aux syndicats de verser des contributions au parti. De plus, les particuliers ne pourraient donner qu'un maximum de 7 750 $ à chaque formation politique les années d'élection et environ 6 200 $ les autres années. Par ailleurs, le projet de loi limitait les dépenses publicitaires des partis à 1 000 000 $ dans les 6 mois précédant le scrutin. Les progressistes conservateurs et les néo-démocrates font valoir que le financement politique est trop important pour que ces règles soient dictées que par les libéraux. Pour les affaires étrangères, Stéphane Dion a confirmé que le Canada s'était joint au groupe international qui vise à mettre un terme à la guerre civile en Syrie. Le ministre prépare à sa première rencontre mardi à Vienne avec le gouvernement. Le regroupement plutôt qui inclut 26 pays et organisations. Les pourparlers n'ont toutefois pas mené à une entente sur un cessez-le-feu. On voit que c'est sévère, les gens sont souvent dans l'exil. Ils aiment détester, ils aiment haïr. Ils le montrent souvent, c'est très cruel. Mais je ne ressens quand même pas